de mon cœur, Yahweh de mon cœur, Yahweh de mon cœur, Yahweh de mon cœur. Bonjour frères et sœurs, le pain quotidien a le plaisir de vous annoncer une colonie chrétienne qui aura lieu du 9 au 3 août à La Paire en Charente. Ce sera pour les enfants âgés de 6 à 12 ans qui pourront faire des activités. Ils seront encadrés par une équipe de 7 animateurs. D'accord. En fait, et les animateurs en fait sont chrétiens ou... Tous les animateurs sont chrétiens, c'est des personnes D'accord. qu'on connaît, qui craignent le Seigneur D'accord. et qui ont à cœur de d'œuvrer avec les enfants pour les rapprocher encore plus du Seigneur. Ah d'accord, ok. Donc du coup, mais qu'est-ce qui va se passer un peu dans cette colonie en fait? Alors c'est tout simple, les enfants seront dans une sorte de gîte, des locaux qui nous sont prêtés par un sous-traitant. Ils pourront faire diverses activités telles que le poney, des balades en forêt, il y aura aussi une piscine et d'autres activités proposées par les animateurs. D'accord, ok. Et du coup, donc, c'est une colonie chrétienne, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, Coup, il y aura des... Qu'est-ce qui va se passer? Ils pourront également entendre la parole, enfin comment ça va se passer? Tout à fait. Alors en fait, ça c'est le but premier en fait de la démarche. D'accord. Parce que comme le dit dans Matthieu 19, 13, en fait le Seigneur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et en fait, le but c'est de rapprocher vraiment les enfants à Jésus en fait. C'est vrai que dans cette société actuelle, il y a beaucoup d'influence avec, voilà, dans les écoles. Voilà. Et donc c'est important de regarder en fait la vie de Jésus et de leur présenter en fait le vrai modèle à suivre, le modèle de l'homme parfait. D'accord. Donc voilà, il y aura bien sûr des temps de prière, des temps de partage, des temps de méditation de la parole. Il y aura aussi des petites veillées qu'on fera le soir, de louanges, d'adoration et des petits quiz. Plein d'activités aussi liées à la parole. D'autres activités comme du poney, des choses comme ça, mais d'autres activités bien sûr liées à la parole de Dieu. D'accord, ok. Ben oui, parce qu'il y aura des activités bien évidemment donc ludiques, voilà, pour les enfants bien évidemment. Et on n'oublie pas Jésus. Tout voilà, à fait. Que, voilà, c'est une colonie. Il est au centre, chrétien. Jésus, voilà. C'est ça. Et du coup, voilà, les enfants pourront donc s'épanouir et tout ça. Donc les inscriptions donc, sont ouvertes dès à présent ou il faut attendre un temps? Comment ça se passe au niveau? Si je veux m'inscrire maintenant, si je veux inscrire mes enfants, comment ça se passe? Alors c'est tout simple, il faut vous rendre sur le site du Pain Quotidien, vous allez avoir toutes les informations, on va vous demander bien sûr un certain nombre de pièces justificatives, on va vous donner voilà, les informations pratiques. Donc dès maintenant, allez sur le site du Pain Quotidien, donc www.pain.quotidien.org, pardon, donc www.pain.quotidien.org et vous allez avoir toutes les informations pratiques pour vous. D'accord, ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler la date en fait? Alors c'est du 3 au 9 août. Ok. Est-ce qu'il y a une date butoir pour les inscriptions? Oui, normalement, essayez de vous hâter un petit peu pour vous inscrire le plus tôt possible. Voilà. D'accord, ok. Pour avoir une meilleure organisation au Tout niveau à de... fait. Ok, très bien. Donc, ne tardez pas, bien-aimés, inscrivez vos enfants, colonie chrétienne. La parole au centre, Jésus-Christ au centre, et je pense que ce sera une belle expérience pour vos enfants plutôt, et je pense qu'ils reviendront justement à la maison avec le feu. Amen. Amen.